Le compte assuré individuel, pour moi, c'est celui qui reprend l'ensemble des cotisations sociales d'un assuré social, d'un travailleur qui est immatriculé à la CNPS et qui travaille sur une période déterminée. En réalité, c'est même pour ça que je suis ici, parce que je n'arrive pas à consulter de mon téléphone. Donc je suis venue ici pour que la CNPS m'aide à consulter un peu l'état de mes cotisations à l'heure actuelle. Je suis là ici pour un compte de congé de maternité. Donc de cela, mon emploi a été réglé depuis et jusqu'à aujourd'hui, si je ne suis pas encore satisfaite. Oui, raison pour laquelle je suis revenue encore avec la décharge pour qu'il vérifie et me dit pourquoi est-ce que je ne suis pas encore créditée dans mon compte. Même si beaucoup ne le savent pas encore, l'ouverture d'un compte individuel assuré à la Caisse nationale de prévoyance sociale est désormais chose facile pour les assurés et les travailleurs. Avec les nouvelles procédures digitales, finit la longue file d'attente interminable dans les agences de la Caisse nationale de prévoyance sociale lors de l'ouverture d'un compte ou du suivi d'un compte. Désormais, à partir de son téléphone portable, muni d'une connexion Internet, chaque travailleur ou personne désireuse de s'affilier à la Caisse nationale de prévoyance sociale peut de façon simple et rapide effectuer l'ouverture de son compte privé CNPS et faire le suivi de ses différentes cotisations sociales comme ce client satisfait. La création de mon compte, ça me permet facilement de vérifier moi-même mon compte, donc à travers même mon téléphone portable, je pourrais vérifier mes cotisations, si elles sont à jour ou pas, et pouvoir venir ici me renseigner si elles sont à jour ou pas. La machine est là, on entre juste dans le compte www.cnps, on clique et on va dans la page compte personnel. Vous cliquez, vous allez trouver des informations. On vous demande le matricule. Vous insérez votre matricule. On vous demande le mot de passe. Vous mettez le mot de passe et vous cliquez sur connecter. Et ça ouvre votre compte. Une belle initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale, expliquée ici par Paul Bengobé Armand Didier, expert en la matière. Un compte individuel assuré, c'est un espace numérique dédié à l'assuré, à un travailleur, qui lui permet de suivre, n'est-ce pas, régulièrement la situation de l'évolution de sa carrière. Il est nécessaire justement parce qu'il rapproche le travailleur de la situation de l'évolution de sa carrière. Par le passé, ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Parce que pour qu'un travailleur consulte la situation ou l'évolution de la situation de sa carrière, il était obligé de se rapprocher de la CNPS. Depuis un bon moment déjà, la CNPS a digitalisé ce service-là, pour permettre justement aux travailleurs d'être proches et impliqués dans leur situation, dans le suivi de leur situation de carrière. Et il permet justement aux travailleurs, comme je le disais plus haut, de suivre sa situation. À travers ce compte, il peut consulter son historique de carrière et constater qu'il y a une période ou plusieurs qui manquent et saisir la CNPS en régularisation avec les justificatifs appropriés, notamment un certificat de travail. Dans ce compte, il a également la possibilité de vérifier à travers un document nommé compte état de contrôle d'affiliation. À travers ce document, il peut vérifier qu'il est effectivement immatriculé, n'est-ce pas ? Déjà que ce document, il l'a dans son compte. Il ne peut l'avoir que dans son compte, dans ce cadre-là justement. L'autre information qu'il a dans son compte, c'est la situation des télédéclarations effectuées par son employeur ou ses employeurs successifs. Une autre information, c'est la possibilité pour lui de faire une simulation de sa pension à date pour avoir justement son niveau de pension au moment où il consulte son compte. Il peut également, plus récemment, on a ajouté, la CNPS a ajouté sa grappe familiale qui lui donne la situation des membres de sa famille qui lui sont rattachés. C'est-à-dire que s'il constate qu'il manque son père, sa mère, son épouse ou un de ses enfants, il saisit la CNPS, soit par un courrier, soit il vient directement, soit par mail, avec le document approprié pour la mise à jour de sa grappe familiale. L'autre document, c'est la possibilité pour lui de consulter la situation du reversement effectif de ses allocations familiales dans le cas où il est allocataire. Il introduit tout simplement la date dans le champ correspondant, une date donnée, il lance la recherche. Toutes les allocations virées pour cette année sont listées, apparaissent dans une liste qu'il peut consulter.
Nous avons également dans ce compte la possibilité pour le travailleur de consulter la liste de ses employeurs successifs qui l'ont été déclaré. Donc, il clique sur le lien approprié et tous les employeurs qui lui ont fait des télédéclarations apparaissent sur cette liste. Donc, en gros, voilà la situation du compte individuel et les informations auxquelles il peut avoir accès. À travers cette nouvelle innovation, la Caisse nationale de prévoyance sociale veut permettre aux employés, comme aux travailleurs affiliés à la CNPS et sa grande clientèle, de pouvoir, où qu'ils se trouvent, faire le suivi de leurs cotisations sociales et effectuer l'ouverture de leur compte à la CNPS en un clic sans se déplacer. Pour un service rapide et de qualité, la CNPS se fait plus que jamais proche de son aimable clientèle au moyen du digital. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bitogo, a apporté une restructuration au cours de la réunion du bureau élargi à la conférence des présidents en procédant ce lundi 18 juillet 2022 à des réaménagements au sein des structures administratives de l'institution que sont le cabinet, le secrétariat général. Conseiller spécial auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Famoussa Koulibaly, député, inspecteur général de l'Assemblée nationale, M. Alain Akako Adra, juriste, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Madame Aka Sonon Julie, préfet hors grade, secrétaire général de l'Assemblée nationale, Monsieur Diomandé Aboubakar Sidiki, maître assistant des facultés de droit, secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, Madame Sogodogo Aïssa Aimé, épouse Trabi, administrateur parlementaire, chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Diarasuba Vassiriki, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, chef de cabinet adjoint, chargé des affaires sociales, du genre, de l'autonomisation des femmes auprès du président de l'Assemblée nationale, Madame Noël Afoué Delphine, juriste, chef de cabinet adjoint, chargé du protocole et du cérémonial auprès du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Kakou Ange Félix, ingénieur, commerce et communication. Des hommes nouveaux pour un dynamisme nouveau dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale, a annoncé une réorganisation du planning de travail à l'hémicycle. L'Assemblée ne peut pas attendre un mois pour se réunir. Je veux dire, on doit pouvoir analyser les activités de l'Assemblée une fois par semaine, on doit se réunir. Et le jeudi est un bon jour parce que le Conseil des ministres ayant lieu le mercredi, ça nous permet, avant que les textes nous soient transmis, de pouvoir faire une analyse sociopolitique de ce qui se présente. Et je propose donc que le bureau, c'est une fois par semaine, et la conjugaison des conférence président et bureau toutes les deux semaines. La rénovation et la construction des nouveaux bureaux a aussi été annoncée par l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour améliorer le cadre de travail du personnel et des élus. Face au non-respect des délais et au refus des versements des cotisations sociales par certains employeurs véreux, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, M. Noël Alain Olivier Mekoulou Vondo Akame, a lancé depuis le début du mois de mars une campagne de recouvrement des cotisations sociales à la CNPS. La CNPS, organisme en charge de la sécurité sociale au Cameroun, est astreint à deux missions principales. Le recouvrement des cotisations sociales et en deuxième lieu, au paiement des prestations sociales aux divers assurés. Les employeurs sont donc astreints à la déclaration et au paiement des cotisations sociales prélevées sur les salaires de leurs travailleurs tous les mois. Mais il arrive que, pour diverses raisons, les employeurs ne procèdent pas au reversement des cotisations sociales dans les caisses de la CNPS. Après toutes les étapes de procédure, nous en arrivons donc à un moment où, si l'employeur, du fait de mauvaise foi, ou s'il ne peut pas s'acquitter de ses obligations sociales, nous sommes donc bien obligés de,
de faire ce que nous appelons le recouvrement forcé. Une mesure forte prise par le top management de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour amener par tous les moyens possibles les chefs et patrons d'entreprise à effectuer le recouvrement des cotisations sociales de leurs employés afin de permettre à la Caisse nationale de prévoyance sociale, bras séculier de l'État du Cameroun, de remplir ses missions régaliennes, celle de s'assurer la sécurité sociale de ses assurés sociaux. Des recouvrements qui s'élèvent à plusieurs milliards de francs CFA. Suite au constat de la montée exponentielle de la balance de recouvrement au 31 décembre 2021, qui pour toute la CNPS s'est chiffrée à plus de 200 milliards, le directeur général a prescrit des actions fortes pour que les centres et les unités opérationnelles se déploient sur le terrain et recouvrent donc effectivement toutes ces sommes que les employeurs n'ont pas payées. À la direction régionale du centre sud-est, qui est constituée principalement des régions du centre, du sud et de l'est, la balance de recouvrement s'est chiffrée à peu près à 101 milliards au 31 décembre. Et cette balance, son analyse a permis de constater que les établissements publics, les communes et entités décentralisées, ainsi que les projets et programmes de l'État, constitue la majeure partie de cette balance, à peu près à 52%. Et il fallait agir parce que les assurés sociaux nous saisissent tous les jours pour le paiement de leurs droits. Et ce n'est qu'en recouvrant que nous pouvons payer leurs droits. Donc des actions fortes ont été engagées sur le terrain pour pouvoir recouvrer tout ce montant-là. À date, la campagne ayant débuté principalement depuis le mois de mars 2022, à date, nous pouvons nous satisfaire des quelques résultats que nous avons engrangés jusqu'à présent. Le recouvrement, le montant total recouvré dans la région du centre-sud-est est à date de à peu près 17 milliards, dont 13 milliards payés par les organismes publics dont j'avais cité auparavant et 4 milliards payés par les débiteurs du secteur privé. Les actions se poursuivent et nous espérons que à la fin de l'exercice nous atteindrons l'objectif fixé de recouvrer au moins ce 80% de ces sommes dues. Lancée depuis le mois de mars 2022, cette vaste campagne de recouvrement forcé à la Caisse nationale de prévoyance sociale porte déjà ses fruits. Et la direction générale continue d'inviter les organisations et les entreprises à respecter les délais de recouvrement des cotisations sociales de leurs salariés. Ces opérations ne se font pas sans heurts et sans grincement de dents. Mais le directeur général est sensible à la situation des établissements publics et de communes et entités décentralisées. Elle les invite par ailleurs à se rapprocher de leur centre de gestion pour des modalités de facilitation en vue de leur permettre de faire face à leurs obligations sociales. Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a échangé le mardi 19 juillet 2022 avec le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le professeur Hubert Ducé, porteur de message du Président de la République du Togo, Son Excellence Fort Esso Sima Yassinbe. Les échanges ont porté sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région. J'ai été envoyé par le Président Fort Esso Sima Yassinbe, Président de la République togolaise, m'envoyer spécial afin d'échanger avec le président Alassane Ouattara. Comme vous le saviez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité dans chacun de nos pays. Et des discussions que nous avions eues avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, il est question de préserver surtout la paix et l'entente entre les peuples et entre nos nations. Et évidemment, nous étions hier à Bamako, où nous avions évoqué la question des 49
soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a montré sa disponibilité à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Faure Gnassingbé afin de rapidement trouver une solution acceptable pour nous tous. Au sujet des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le professeur Hubert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, a indiqué que le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a salué son homologue togolais pour ses initiatives en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Le séminaire du lancement des travaux de préparation du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2023 s'est ouvert ce 19 juillet 2022 à Yaoundé, sous la présidence du ministre des Finances, Luitpold Motazeu, en présence des experts du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, ainsi que ceux des différents départements ministériels que compte l'État du Cameroun. Les actions menées en 2022 au sein des administrations publiques devront tenir compte des effets induits de la guerre en Ukraine sur notre économie, de la poursuite du plan de relance économique post-Covid-19 et du programme économique et financier en cours de mise en œuvre avec l'appui de nos partenaires au développement. Elles devront viser l'accroissement de l'offre locale en produits de consommation de masse et en intrants destinés aux agro-industries, maïs, lait, poisson, sorgho, soja, patates, manioc, plantains, etc. C'est dans cette même veine que l'appui effectué par l'État en direction des acteurs de ce secteur sera renforcé en 2023. Il conviendrait de signaler que cet appui sera étendu au cours des prochaines années à l'émergence d'autres industries locales telles que la production pharmaceutique, la transformation du bois, la production du textile, etc. Afin de contribuer plus efficacement à la réussite de cette politique, appelée à devenir une véritable cause nationale, les administrations des autres secteurs devront programmer dans leur budget des actions visant à accompagner et à soutenir l'implémentation des projets financés dans ce cadre. Une cohésion et une complémentarité bénéfiques devraient ainsi s'établir entre toutes les structures et entités publiques afin de réaliser des économies de ressources et obtenir rapidement des résultats significatifs. Au cours des travaux qui se poursuivent et s'achèveront le 20 juillet, 5 exposés majeurs seront présentés et animés par des experts du ministère des Finances et du MINEPAD sur le contexte macroéconomique, les objectifs ainsi que les grandes lignes de la politique budgétaire de l'exercice 2023. L'optimisation des dépenses personnelles de l'État sur les insuffisances constatées sur les formats des principaux documents budgétaires produits par les administrations annexé au projet de loi des finances afin d'y apporter des propositions pour améliorer la budgétisation des dépenses publiques de l'État du Cameroun. Le collectif des clients des logements sociaux de Bikélé a été reçu par le Premier ministre Madame Rose Christiane Osuka-Raponda ce mercredi 20 juillet 2022 à Libreville. Installés sur le site depuis un peu plus de 3 ans, les clients ne sont pas au bout de leur peine car confrontés à plusieurs difficultés dans leur nouveau cadre de vie. Nous avons trouvé en Madame le Premier ministre une personne à l'écoute et qui nous a rassurés que nos doléances, nos attentes seront prises en compte. Elle en parlera au chef de l'État et elle aura une séance de travail avec les différents ministres pour que nos attentes soient résolues. Les difficultés liées à l'accès à ces logements sont nombreuses, a souligné M. Gildas Mangambula Mbundi, président du collectif des clients des logements sociaux de Bikélé. Si le gouvernement peut aider la SNI, cela nous fera vraiment plaisir. En ce moment, nous avons de la joie au niveau de Bikélé lorsque nous voyons que les travaux ont démarré avec le PayPal qui s'occupe de l'eau et la société Colas qui s'est déjà implantée. Nous souhaitons vraiment que dans nos cités, il y ait aussi ce vent de développement qui a commencé. Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Osuka-Raponda, a rassuré les clients des logements sociaux de Bikélé qu'elle pèsera de tout son poids pour résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le
Vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Meliekone, représentant du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a présidé ce mardi 19 juillet 2022 à l'école de la gendarmerie d'Abidjan à une double cérémonie de baptême de la 46e promotion de cours d'application de 37 élèves officiers de gendarmerie et de prestations de serment de 1969 sous-officiers élèves, dont 713 de deuxième année, 60e promotion, et 1256 de première année, 61e promotion. Le colonel-major Fadiga Alassane, commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, a souhaité la bienvenue aux hôtes. Ici, pour la plupart des corps de troupes des armées et du rang des anciens sous-officiers de gendarmerie, ces stagiaires ont pendant une année scolaire appris le dur et passionnant métier d'officier de gendarmerie. Ils se sont ainsi familiarisés avec les réalités de la marée-chaussée à travers les enseignements spécifiques à cette institution, notamment la police administrative, la police judiciaire, la police militaire, le commandement et l'administration des unités, le maintien et le rétablissement de l'ordre, sans oublier la défense opérationnelle du territoire. En outre, en plus d'avoir été formé à la lutte contre les problématiques sécuritaires majeures, terrorisme, cybercriminalité, orpaillage clandestin, exportation illégale de matières agricoles, ils ont aussi été édifiés sur l'importance des bonnes relations que la gendarmerie doit entretenir avec les administrations publiques et les populations, notamment à travers le concept de la gendarmerie de contact et la notion de gendarme efficace et fraternel. Au total, ce sont 750 gendarmes, dont 37 élèves officiers baptisés de la promotion cohésion et ayant pour parrain le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timoko Meliekone, et 713 élèves sous-officiers de deuxième année baptisés promotion adjudant Sanogo Seydou, qui ont fait leur sortie ce mardi 19 juillet. Ceux de deuxième année ont passé le flambeau 1256 élèves sous-officiers de première année. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tene Biraïma Ouattara, leur a demandé d'être des modèles à l'image du vice-président parrain de la cérémonie. La cérémonie de baptême de votre promotion vient consacrer votre aptitude à servir vos institutions en tant que commandant de peloton. À ce titre, vous aurez sous vos ordres et sous votre responsabilité des hommes et des femmes dont vous répondrez des actes. Montrez-vous digne de cette tâche, car il n'y a pas d'art plus difficile que celui du commandement. Le vice-président est un grand serviteur de l'État, avec une expérience riche et variée. Il incarne les valeurs de probité, de rigueur, de droiture et d'excellence. Il est un modèle pour chacun de nous tous. Vous devrez vous rappeler la devise de la gendarmerie « Pro patria, pro lege », pour la patrie, pour la loi, et travailler conformément à cet esprit au profit des populations. Officiers venus du Gabon, du Togo et de la Côte d'Ivoire, vous êtes le symbole de l'intégration et de la bonne coopération entre nos pays. Vos origines diverses doivent constituer pour vous une richesse à mettre au service de nos États. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timoko Meliekone, a pour sa part encouragé les élèves sous-officiers ainsi que les officiers élèves à agir avec abnégation. Tout en leur traduisant ses encouragements et félicitations, il a appelé ses filleuls et ses élèves sous-officiers à cultiver à tout prix la solidarité entre eux et aussi avec la population. Élèves sous-officiers de première et deuxième année, je voudrais vous exprimer mes chaleureuses félicitations et surtout mes encouragements. Vous êtes jeunes, vous avez l'avenir, vous êtes aussi l'avenir de la gendarmerie. Soyez humbles et attentifs aux enseignements de vos aînés. C'est à ce prix que vous deviendrez des gendarmes accomplis. À l'endroit de mes chers filleuls, officiers, élèves, je veux exprimer mes vives félicitations. Au moment où notre sous-région fait face à un défi sécuritaire sans précédent, je veux particulièrement vous encourager pour avoir choisi d'intégrer la gendarmerie nationale, tout comme vos frères sous-officiers, afin de servir la nation. En vue de réussir votre carrière, il vous faut développer à la fois
des vertus d'hommes de terrain, mais également celles de citoyens soucieux de l'intérêt des populations et respectueux des règlements et des lois. Je vous encourage vivement à cultiver des valeurs telles que l'humilité, l'obéissance à votre hiérarchie, ainsi que le travail assidu et bien fait. Ce n'est qu'à ce prix que vous deviendrez des gendarmes de qualité dont la Côte d'Ivoire peut être fière. La cérémonie a été marquée par une grande parade. Des élèves sous-officiers et officiers élèves plus que jamais déterminés à servir la Côte d'Ivoire. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bick Togo, s'est rendu chez son éminence Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, pour solliciter le soutien spirituel de l'homme de Dieu pour la réussite de sa mission à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Après avoir eu notre première réunion hier, nous avons donc convenu de venir donc rendre visite et prendre la bénédiction auprès du cardinal pour que ce pourquoi nous nous sommes engagés, que cela réponde aux aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bick Togo, s'est par la suite rendu au siège du COSIM avec la même démarche, celle de confier son mandat au guide religieux. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des imams pour leur soutien. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a fait des prières pour la bonne marche des activités de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous donnons le devoir de l'accompagner par nos prières, de l'accompagner par notre présence, de l'accompagner par notre engagement, de l'accompagner par nos encouragements, et que le leadership de ces pays conduit par le président Alassane Ouattara puisse être confirmé dans tous les domaines. Que Dieu bénisse le président Adama Bick Togo, que Dieu bénisse l'Assemblée nationale, que Dieu bénisse le président de la République Alassane Ouattara, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. L'honorable Adama Bick Togo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a réitéré son engagement aux guides religieux de contribuer au renforcement de la cohésion et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, a présidé mercredi 20 juillet 2022 à Yamoussoukro une cérémonie de remise de diplôme aux 18 auditeurs de la 3e promotion du cours d'études supérieures de défense de Zambakro. Ces officiers auditeurs, en provenance de 12 pays d'Afrique, ont suivi durant 11 mois une formation supérieure composée de conférences, de cours magistraux, d'exercices de planification et de voyages d'études nationaux et internationaux qui les ont conduits à San Pedro, Boaké et Abuja en République fédérale du Nigeria. Elle a porté sur les outils nécessaires à l'exercice de leur commandement en temps de paix comme en temps de guerre et les cartes nécessaires pour mieux décrypter la politique de défense d'un État. Ils sont désormais préparés à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors organiques d'armées et interarmées, au sein des directions et des services ainsi que dans les organismes ministériels où se conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, leur a demandé de mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises durant la formation en les adaptant en réalité du terrain, tout en les rappelant que le terrorisme, malheureusement, gagne du terrain en Afrique de l'Ouest. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.